Et salut tout le monde, les amis, c'est Sprite, car aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau let's play sur Tintin Objectif Aventure. Et je suis pas seul, je suis en compagnie de Taker, mon frère. Salut tout le monde, donc on se retrouve pour ce jeu qui nous a bien fait marrer quand on était gosses. Ouais, c'est clair, ouais. On a passé, on va dire, du bon temps dessus. On l'a refait récemment, d'ailleurs, on l'a refait en. On a fait l'intégrale en fait en deux soirs, je me rappelle, on l'a terminé. Puis ouais, on s'est bien marré, puis on s'est dit que ça serait sympa de les faire en vidéo. Ouais, puis bah donc bah voilà, on s'est dit qu'on allait partager ce let's play avec vous parce que franchement ça nous a fait bien marrer et puis on prend toujours plaisir à y jouer, donc voilà. Ouais, puis enfin, quand on dit que ça nous fait marrer, on dit c'est pas que c'est un mauvais jeu, le jeu est pas mal, mais ça nous a marré en fait, c'était les façons dont... Ouais, ça nous rappelle beaucoup de souvenirs. Ouais, voilà, c'est surtout ça en fait. On était tout petits. Donc voilà, donc donc on va commencer une nouvelle partie, donc faut juste monter un peu le son par contre pour qu'on entende dessus. Ouais. Je pense que ça sera bien. Ouais, s'en fout, mais n'importe quoi. Ouais, ouais, c'est très bien comme nom. Ouais, on va mettre Titine parce qu'en fait on appelle Titine. Ça s'appelle Tintin. Ouais. Alors Titine, parce qu'en fait, pour rigoler, quand on était petit, bah, on mettait le jeu en version espagnole parce qu'il disait Titine. Titine au début dans la cinématique du début. Voilà, donc coup, ça nous est marré, donc on appelle Titine. Voilà. Ouais, voilà, donc c'est Titine. On va jouer Titine. Ouais, exactement. Bon, par contre, les cinématiques, on fait quoi? On les laisse ou. Oui, on les laisse. Ouais. On coupera la voix de toute façon. Viens vite, on va commencer. Chut. Et maintenant, mes amis, le Super Color Trifonard, ma dernière invention. Ouvrez bien vos yeux, retenez votre souffle, le moment est historique. Évidemment, l'image n'est peut-être pas tout à fait très nette, mais je vais la régler. Le son! Réglez le son, mille sabords! C'est mieux maintenant? Voilà, c'était peu de chose. Et re tout le monde, donc on se retrouve après cette cinématique assez... assez bizarre. Oui, assez bizarre, ouais, parce qu'on comprend pas vraiment ce qui se passe en fait. Ouais. Enfin, on s'en fout en fait un peu de l'histoire, c'est vraiment l'intérêt, ouais, c'est de faire les niveaux. Ouais, ouais, exactement, puis de se marrer, parce que franchement, ouais, quoi. Donc on commence avec un premier niveau qui est plutôt basique pour nous apprendre les commandes et tout ça. Donc ouais. Comment jouer pour la suite des niveaux qui seront plutôt difficiles. Enfin, niveau des. Par contre, attends, avant de lancer le truc, ce qu'on va faire, c'est. Je vais couper. Enfin, on va couper juste pour synchroniser notre voix en fait avec le jeu, pour pas qu'il y ait de décalage. Ah oui. Donc on se retrouve juste après. Dites-moi Tintin, n'est-ce pas la fois où vous avez été confronté à des faux monnayeurs? En effet, capitaine. Grâce à un groupe électrogène, ils éclairaient une piste avec des projecteurs pour qu'un avion vienne leur livrer des sacs de faux billets. Ah, je vois. Et pour récupérer un de ces sacs, il vous suffisait d'éteindre les projecteurs pour faire partir l'avion. Ok. Oui. Voilà. Donc ouais, c'était ici qu'en espagnol il disait hey, Titine. Ouais, comme ça, donc c'est. Vous avez pété des beurres. Enfin, ouais, on sait pas pourquoi. C'est tellement con. Enfin voilà, quand, en fait, quand on est gosse, on se marre vraiment pour de la merde. Mais sinon, ouais, concernant le jeu, ce qu'on va faire en fait, c'est qu'on va se passer la manette au fur et à mesure. Enfin, si on galère, on craft 2-3 fois, après on passe la manette à l'autre. Donc c'est vraiment con comme jeu au final. Parce que voilà quoi, on n'a pas d'armes, on a un appareil photo. Voilà, l'appareil photo sert à repousser les oiseaux. Les oiseaux en fait. Et les gens aussi. C'est notre arme fatale quoi. Donc ce que vous... On va passer, je vous...
Alors là, je viens de faire tomber une bouteille et elle vient de rouler. Oui, oui, ça c'est pas grave. Oui, donc la petite bouteille, quand elle est ramassée, je vous expliquerai à quoi ça sert plus tard. C'est juste du chloroforme. Une autre arme, si on veut. On va dire une arme entre guillemets. Il peut mettre des coups de poing aussi. Ah oui, 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 voilà, comme ça. Et ça, on ça, peut faire un truc bizarre. On peut marcher, voilà, quatre pattes, c'est marrant aussi. Ouais. Quand on a d'autres chiens qui nous attendent. Bon, il nous apprend des trucs, voilà, des pièces. De collection, si tu t'en trouves suffisamment, on pourra jouer mes niveaux bonus. Donc voilà, bon, ces pièces-là, bon, c'est juste au premier niveau, il faut les avoir toutes, parce que sinon on ne peut pas passer au suivant. Tu peux faire fuir ou aveugler momentanément un adversaire en utilisant le flash de ton appareil photo avec la touche rond. Ouais, bon, surtout pour les oiseaux, en fait. Putain, mais j'avais un arbre. Ouais, t'as fait te le prendre. Alors, lorsqu'un obstacle se présente devant toi, tu peux sauter par-dessus en utilisant la touche croix. Tu sautes plus ou moins haut en fonction de la position de la touche. Oui, donc. Attends, c'est tellement drôle quand il tombe qu'on n'a pas envie de sauter. Oui, voilà, donc je pense que c'est ce qu'on va faire. Je vais juste vous montrer. Donc voilà. Le mec, en vrai, mais on tombe pas comme une merde comme ça, quoi. Donc après, voilà, quand on clignote comme ça. Bon, ça, c'est classique. Passer, hein. Oui, c'est dans tous les jeux comme ça, mais on peut passer. À travers les objets qui nous font souffrir. Donc là, c'est un moment. Si on rigolait. C'est un moment qu'on a trouvé il n'y a pas si longtemps que ça, d'ailleurs, quand on a refait le jeu. Et en fait, bah, on fait exprès d'exploiter le danger de la situation pour faire pour rigoler. En fait. Voilà. Je vous montre si j'y arrive. Hop. Ouais, le mec, si on va vite, comment on peut le deviner en tout cas? Exactement. Cette boucle te permet de regagner de l'énergie. Après, ouais, il y a des niveaux bonus, comme il en a parlé, on en a besoin. On a besoin de récupérer les pièces pour ça. C'est avec le chien, en fait. C'est bien, c'est un checkpoint. Grâce à elle, tu pourras continuer ta partie sans devoir tout recommencer. Oui, ça peut être utile. Après, j'en ai pas le temps. Yeah. Putain, le mec... Avec... Moi aussi, ça, bon, c'est assez... Ça ouf, le mec. Je sais pas... Enfin, moi, déjà, je grimpe pas à un arc qui est aussi haut, déjà. Et sûrement pas dans un petit truc comme ça pour monter. Si encore, c'est possible, mais c'est tellement mal fait en fait. Donc voilà encore un autre moment qui nous a... Non, c'est bon, on va pas tomber tout le temps. Ouais, non, mais c'est parce qu'en fait, il fait un bruit bizarre. Ouais. Le mec, on croirait qu'il a une quinte de tout. Oui, voilà, en vrai, on dirait qu'il est malade. Enfin, quand on était petit, ça nous faisait rire aussi. Ça. Enfin bon, on rigolait pas juste pour de la merde. Voilà. Ah, voilà, donc il y a des pièces, j'essaie de. Là, bon, j'ai pas tellement besoin, ouais, si quand même. Ouais, bon, il y avait une pièce. Il y avait une pièce de toute façon, je peux tout le prendre, sinon on peut pas passer une mission, il me semble. Putain, et je croyais qu'Ozu, il était à l'arrière-plan, quoi. Ouais, oui, moi aussi. Oui, c'est vraiment. Moi, le jeu est sympa, puis il est assez diversifié. Enfin, je veux dire, il y a des niveaux différents, des niveaux en véhicule, enfin, ça, vous verrez. Alors, regarde, il y a un autre passage où il y a mis des place-tour devant la barrière, pardon. Et appuie sur la touche directionnelle pour... Oui, donc voilà, il y a des petits passages comme ça qui sont pas cachés, mais... C'est plus des passages annexes, en fait, oui, ça voilà, sert à terminer à fond. Des passages bonus ou avec des pièces en plus, qui sont même des fois difficiles, par exemple, au niveau de la lune. Il y a des sacs qui nous tombent sur la gueule. Oui, alors... Voilà. J'ai rien à savoir d'où ils viennent, les sacs, oui, voilà, on se demande, il n'y a pas d'arbre au-dessus, il n'y a rien du tout, donc voilà. S'il largue des sacs exprès en avion, ouais, on va nous faire tomber sur la gueule. On peut marcher aussi. Ouais. Donc vous les voyez arriver les sacs, mais bon, comme par hasard, les sacs ils arrivent quand vous venez d'en passer un autre, donc celui d'après, bah, vous le prenez forcément. Le pire, c'est qu'il tombe toujours au même endroit, quoi. C'est-à-dire qu'il y a un avion qui les largue toujours au même endroit. Oui, voilà. C'est très logique. Attention, ah, il est à l'arrière. Alors, attention aux sacs. Ah, ouais, merci. Ah ouais, les jettes depuis un avion, c'est ça. Les fonds manières les jettent depuis leur avion, les phares rouges leur servent de repère. Tu devrais débrancher la batterie pour passer. Ok. Hop, voilà, donc je débranche en mettant ma main sur l'air. Je sais pas comment il a fait pour la débrancher. Le mec il est suffisant, il a plus électrocuté. Ok. Alors ça en vrai, voilà quoi. Je suis désolé, vous passez pas au-dessus, à ce moment vous détournez sur un côté, mais vous avez pas besoin de passer au-dessus. Quoi. Quoi, ah c'est ça, la magie des vieux jeux. Ah oui, ah, hop. Alors ça, c'est... Là on est obligé de... Là c'est une tradition, je suis désolé, mais on est obligé. C'est tellement con. Ouais, en fait, on faisait exprès de se prendre tous les râteaux en passant. Donc, bon, ça, c'est fréquent. Hein. Couper les barres pour de la merde, enfin quoi. Ah, non, c'est bon, c'est pas, c'est pas un piège. Pièces, c'est parce que des fois, il y avait des trucs comme ça, c'est des pièges, il y avait un vide en bas ou des choses comme ça. Alors, faut m'expliquer comment tu viens de grimper aussi. Oui, alors il plante ses mains dans la terre, dans les murs. Ouais, je crois qu'il a des ongles qui font 3 cm. Ouais, comme, ouais, en plus, il y a des meufs qui ont des ongles comme ça. Les plus gros ongles du monde. Ils arrivent jusqu'au sol, je crois. Ouais, il y a du chloroforme.
Il y a encore du corps à fond, mais on va le montrer. Bah, je crois qu'il y a un ennemi, enfin il y a un mec bientôt. Allez, pas contre. Ah, c'est vrai qu'il va effleurer la crête. Non, c'est mal. Ouais, ça fait mal de se faire taper la crête. Quand on est d'oiseau, c'est sûr. Surtout quand on est roux. Moi, je pense que ça, c'est normal. Bon, on n'est pas anti-roux, mais. Enfin, un peu quand même. Un petit peu, mais. Bon, c'est juste, ça nous fait marrer quoi. En espérant qu'il n'y ait pas de roux qui regarde cette vidéo. Oui, ne t'inquiétez pas, on a rien connu. Oh, mais vas-y, ça m'énerve. C'est juste quelque chose qu'on t'entend en fait. Ah, c'est de la faute à Tintin, tout de suite, ça. Ouais, mais les espèces de trucs orange là qui. Mais putain, mais vas-y, pas ce que mes espèces de trucs orange bizarres là, ben c'est de la vie. Ouais. Ah non, tu vas pas m'avoir. Oh putain, il a fait. Oh non. Oh non, 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 mais c'est pas possible. Non, non, je suis désolé, c'est pas possible. Attends, il y a une arme, je crois. Ouais. Hop, le cache, il est pas mis sur lui, mais bon, c'est pas grave. Ah merde. On s'en fout, ouais, c'était pour pousser la pierre en fait. Excusez-moi, je peux. Peut-être qu'il suffit juste d'avancer, ouais, tout simplement. Ouais, ouais. Quelle force. Ouais, alors il arrive pas à. Quel dieu ce Tintin. Hein. Quel dieu ce Tintin. Ouais, ouais, non. Oui, c'est tellement réaliste comment elle roule la pierre, elle roule avec une vitesse folle. Ah, ouais, c'est... ça descend, ouais, ouais, il se fait écraser, il est en merde. Tu peux donner un coup de poing à un adversaire humain en utilisant la touche carré. En même temps, tu peux donner un coup de poing à un oiseau. Ouais, c'est... moi j'aurais plus sur la face de mettre une droite à un oiseau que quand ça tient mon appareil photo. Tu es constable, vas-y viens, on va se fight. Tiens, le alors, bruit. J'ai même parce que lui il me donne un coup, bon, ok, je clignote, moi je lui donne un coup, ça y est, quand même. Attends, va être après. Ouais, je crois que. Non, non, va au fond, va au fond. Ah oui, d'abord au fond. Ouais, ouais, je crois que là, ouais, on peut pas aller plus loin après. Ah si, on peut monter. Ouais, ouais, juste prendre, ouais, c'est juste de la vie. Mais je crois qu'il y a rien. Bon, au moins c'est déjà ça. À moins que je me trompe. Ouais, non, c'est la pierre, non, on peut pas aussi muscler que ça quand même. Il est un peu décevant quand même. Ça, je me rappelle qu'on avait sauté comme ça et on s'était pris le gratto. Ouais, forcément. C'est quoi ça? Oh putain. Ah c'est... oui, c'est vrai, on a des dalmatiens aussi qui nous attaquent. Enfin, des vaches. Non, je crois que c'était une vache au début. Enfin, ouais, oui, moi, oui, moi aussi. Mais après, ah ouais, vas-y. Alors, je vais vous montrer à quoi il sert le chloroforme. Ouais. Tu peux même dormir lui. Ah merde, c'est juste en fait de toucher ses pieds. Ah ouais. Triangle. Voilà. Boum. Oui, donc voilà, après il se réveille et. T'as toutes les pièces? Je crois, oui, oui. Ah oui, oui, c'est bon. Voici la preuve que j'ai affaire à vos faux monnayeurs. Waouh. Mais quel malheur. Quelle preuve. Ah super, on a terminé le niveau à 100%. Oui, donc voilà, après on n'est pas obligé de le faire, mais. Voilà, c'est juste pour pouvoir le passer en fait. Ouais, parce que en plus, c'est base, c'est juste les commandes en fait, c'est un niveau qui sert à rien dans l'histoire. Ouais. Donc voilà, validé. Hop. Sinon, après, je sais pas combien on va faire de niveaux par épisode. Je pense qu'on va faire deux niveaux. Deux, ça me semble bien. Vu qu'après, il y aura un boss et ouais, y a... un bonus. En fait, c'est toujours deux niveaux plus un boss. Ah non, c'est bon, on s'en fout. Ouais, ça, on s'en fout, ouais, je pensais que. Non, c'est bon, il n'y a pas de cinématique, ouais. Ah, en fait, c'est souvent comme ça. Il y a un niveau à pied, ensuite un niveau en véhicule, ou au contraire. Et après, il y a un boss, plus un niveau bonus que chien. Donc. Ouais. Le mieux, ce serait de tout faire, enfin de faire une série. Ouais, voilà, les codes qui va jusqu'au boss. Mais c'est un peu long quand même. Je ouais, c'est vrai que c'est un peu long. Et puis voilà quoi. Donc, ça, c'est un niveau, bah oui, de. Il faut diriger. Un bateau. Mais... un bateau, ouais. Oui. Il y en a un à chaque série sur l'île noire. Il faut diriger un bateau. Voilà, Moussaillon. Ça n'a pas dû être facile de manœuvrer. D'autant que ces oeuvres-là sont de vrais marins d'eau douce. On s'en fout de ta vie. On s'en fout tant qu'on peut arriver jusqu'où on veut. Ouais, ouais. C'est un peu plus dur quand même. Ouais, ouais, mais le pire, c'est pas de conduire dans l'histoire, c'est que tous les autres véhicules, ils font exprès de vous foncer dedans. Alors comment on fait pour passer? Regardez les petites impasses quand même, faut le faire pour pas rentrer dans la mer quand même. Ouais. Allez, c'est parti. Bah, ouais, faut se prendre aucun obstacle. Ouais, parce que. Alors, donc je vous explique la barre. Non, je ne pas ma table de fois. Alors, la barre qui est à gauche, en bas à gauche, c'est la barre d'essence. Et plus on va vite, et plus elle descend. Et quand on se prend un mur, au lieu d'avoir un trou dans le bateau, bah, c'est l'essence qui descend. Ouais, c'est logique quoi. C'est connu quand même que quand on rentre dans un mur, on perd l'essence. C'est logique. Enfin, je trouve ça logique. Ah non. Ah merde, aucune pièce. Bon, bah tant pis de toute façon, ce niveau-là, il est impossible avant toute la pièce. Si, on veut. Ouais, mais à un moment il y a deux impasses. Ouais, mais ils ont mis le même nombre de pièces dans les deux impasses pour exprès. Ah oui, c'est vrai. Bon, on s'en fout là des pièces, au pire on fera tout à la fin. S'il nous manque des pièces, on les chope pas. En off, on fera le bonus à la fin. Je suis passé. T'as pas mis de l'essence. Je suis même pas. Oui. Et puis bah là du coup, les trucs orange qui tournent, c'est de l'essence du coup.
ça remplace la vie. Ouais. Faut dire la vue du bateau parce que ça rend bizarre. Hein. Ouais, bah, c'est vrai que bon, mais il fait quoi lui? C'est l'autre, il est en train de courser là. Une colle au cul. C'est vrai que ce genre, les niveaux en véhicule deviennent vite plus durs quand, faut, quand on veut tout récupérer. Quoi. Mais le pire, c'est que c'est celui-là, je crois, le plus difficile de niveau en plus. Moi, je me rappelle que quand j'étais petit. Ah, sur un avion, il est chaud quand même. Ouais, il est chaud, mais pour ça, c'est le niveau de la forme aussi, c'est normal. Ouais. Mais moi, je me rappelle que j'avais super du mal avec ce niveau-là. Ouais. Et que plutôt les autres, ça allait quoi. Mais alors, celui-là, je me rappelle que je l'avais essayé plein de fois la première fois que j'étais. Ouais. Ah bah c'est bon hein. Premier coup, tranquille. C'est pas grave, je rentre dans les pierres, bah c'est pas grave. Gig noir. Ouais. Gig noir, bon déjà le nom quoi. Ouais. 28 pièces là, ça récupère beaucoup quand même. Tu sais quoi, on s'en fout. Ouais. Ça a pas m'empêcher d'aller niquer le gorille. Non, le gorille c'est pas le direct, enfin le boss. Oui, je sais, bah y'a un niveau, et après y'a le gorille, et après y'a lui. Je pense qu'on doit, on va faire le niveau là, puis après on va arrêter, je pense. Vu que celui-là on l'a un peu torché vite fait. Ouais bah j'avoue en fait là je crois on va peut-être quand même arriver jusqu'au gorille. Je sais pas. Enfin ça dépend. Bon on verra, bah vas-y continue, on va faire le prochain niveau. Ah oui j'avais appuyé sur croix déjà, je crois que ça chargeait, moi j'avais pas fait attention. Voilà, Glimnard les fous monnaie. Oh, oui il fait chier à me parler. Allez, on s'en fout. Ouais. De toute façon c'est même pas intéressant. Ouais en plus il dit n'importe quoi. De toute façon vraiment l'intérêt c'est que les niveaux quoi. Le seul intérêt de quand il parle là c'est de le mettre en espagnol alors. Ouais, ils nous font chier avec leur faux monnaie pendant un moment, et après c'est fini. Ouais. En fait, ça. Ah oui, alors... Comme Tintin là-bas, c'est une BD, en fait, ça nous refait vivre en gros les passages. Ah oui, c'est vrai, moi j'adorais lire ça quoi. Non, y a rien. Oui, quand j'étais petit, je lisais presque jamais, mais je lisais que des BD, je lisais que des Tintin. Ouais, c'est vrai que c'est pas mal. La bibliothèque avec l'école, je m'en rappelle que des Tintin. Ouais, c'est vrai, c'est pas mal. Ah ouais, mais même aujourd'hui, je prendrais plaisir à relire ces trucs-là. Franchement, c'est intéressant. Mais c'est pas une BD, pareil. Oh, ouais, putain, donc là, on a des mouettes. Là, on a des mouettes à la place des corbeaux. Enfin, je crois que c'était des corbeaux. Je sais pas, des pies plutôt, non, ils étaient blancs et noirs, je crois. Ah, comme par hasard. J'ai moins entendu le bruit de l'appareil photo, mais elle est pas encore sortie, tu vois. Ouais. Ouais, alors, ce niveau-là, je sais même pas, la galère, il pleut et comment ça glisse, mais c'est horrible. Il y a des endroits où on doit sauter des plateformes comme celle-là, sauf que les plateformes à un moment elles sont en pente. Ouais, c'est trop chaud. Du coup, à chaque fois on glisse et bah, je pense que c'est baisé quoi. Vous remarquerez aussi à quel point Tintin est rapide quand il sort son appareil photo, c'est. Ouais, c'est un peu. Ah, mince. Ouais, non, je pensais qu'il y avait. Il sort son appareil photo plus vite que son nom. Il est vraiment très, très fort. Et ce couillon, regardez, il y a bien de la place, mais lui il court au bord. Ouais, il court au bord, le mec c'est un fou dans sa tête quoi. Et en plus il pleut, puis lui il fait de la gym, enfin voilà. On pousse tous. Il sort en jupe. Je crois que tu sors la pierre, tu casses la gueule si tu vas sur la pierre. Ouais, en plus il sort en jupe quand il pleut, oui. Ouais, c'est un kill, ça, c'est des trucs de. Et c'est marrant, dans le bateau il me semble qu'il est même pas dans cette tenue là, tu vois. Ouais, bon, je reviens en arrière juste pour prendre du chloroforme parce que c'est pas illimité la quantité, donc voilà quoi. Ouais. Mais on en a pas trop besoin en fait pendant le jeu. Mais on en a pas trop besoin du chloroforme dans le jeu. Ouais, c'est juste en fait ça endort les ennemis puis ça me laisse du temps pour passer quoi. Oui, bah là c'est j'ai pas eu. Vas-y donc. Ouais, tiens. Je vais jouer un petit peu moi aussi. Bon, je pense que vous allez voir peut-être la différence parce que c'est vrai, bon, on est pas doués tous les deux quand même. Ouais, non, mais aussi, c'est pas comme si on avait geeké ce jeu là quoi non plus. Bah, quand j'étais petit, oui, parce que j'arrivais pas au niveau, mais je continuais quand même. Enfin voilà, on l'a fini une fois quand on était gosse, une fois là dernièrement. Puis voilà, je pense qu'on va le terminer aussi tranquillement. Même que je me rappelle que le dernier niveau, on avait eu beaucoup de mal à le faire. Mais c'est vrai, mais le mec il l'a pas dans sa main l'appareil photo. Il arrive comme ça, il apparaît dans ses mains l'appareil photo. Je crois qu'il sort de sa jupe. C'est trop moche. Il avait pas de poche. C'est trop moche. Ouais, bah il vient se rocher pas de son froc. Et son chapeau. Merde, putain, fais de la merde. Peut-être qu'il sort de son chapeau. Ah, David, génial. Ouais, je crois qu'on va en avoir besoin parce que là. Ouais, j'avoue. Non, pas par là. Non, y'a rien ou pas. Ah oui, j'ai déjà fait ça. Bah ouais. Oui, alors les checkpoints aussi, c'est les valises. Merde. Pour ceux qui savent pas. Bah, il l'avait dit tout à l'heure, chien. Ah oui, c'est vrai, oui, non, parce que en fait, la dernière fois qu'on y a joué et qu'on a fini le jeu, et récemment, il y a pas longtemps, là, et ben, on n'avait pas pigé que c'était les valises, et on savait pas que c'était les checkpoints. Ah bah vas-y, tu peux le flasher. Ouais, je crois. Je crois. Hop, une amende. Voilà. Et que c'est évité, ça. Ouais, c'est vrai qu'en fait, on avait passé ce que le chien avait dit, du coup, on savait pas. On se disait, mais. Oui, il nous faisait chier, il nous faisait perdre du temps, on était pressé. Ouais. Il était pressé de jouer à Tintin, c'est pour ça. Ah, ouais, non. Tintin, c'est un dieu, quoi. Pour ouais.
Oui, je m'amusais à faire ça aussi pour les niveaux. Juste pour rigoler. Allez, ouais, c'est bon, j'ai cru que ça allait pas passer. Ah, mais le pire, c'est que c'est dur en plus des fois de dépasser les plateformes ou les... Bah, les bâtons comme ça. Ouais, tu dis, enfin, bon, dis c'est pixel. Moi, je suis désolé, il y a quand même un bâton avec du verre qui tombe, c'est pas là-dessus que tu vas tenir. Ouais, j'avoue. Et même, je suis désolé, il pleut en plus, le mec il arrive à se balancer, tu vois, son tombe. J'avoue, ça doit glisser en vrai. Pauvre Tintin. Hein ? Il est fou ce Tintin. Ah, oui, non, mais c'est un tarbé. Oui, il prend tous les risques. Mais je comprends pas, moi. En plus, il a une classe quand même, il a un goût vestimentaire, mais c'est un truc de fou, quoi. Ah, non, mais attendez. Il a vraiment la classe. En plus, il est roux, quoi, sérieux. Il a vraiment tout pour perdre. Ça donne vraiment. Si vous voulez, je vous donne son numéro, je l'ai. Un roux en kilt avec un chapeau bleu. Ça s'appelle un kilt. Ouais, un kilt. Il est très écossais. Ouais, la cornemuse, donc on entend derrière d'ailleurs. Oui, ouais, d'ailleurs, on nous casse bien les couilles. Ça nous casse bien les couilles, on déteste ça. Je déteste ça. Bon, là, ça passe parce qu'en fait, ça va, c'est Tintin, quoi. Ouais, c'est Tintin. Pour il serait tout passé. Ouais. Voilà, ça glisse, vous voyez. Oui, ouais, c'est de ça que je vous parlais tout à l'heure. Sauf qu'après, c'est encore pire, là, vous allez voir. Non. Ouais, voilà. Ah, là, je me rappelle qu'on avait du temps à passer la dernière fois. Et tu te rappelles, juste après, là, il y a des bouts de bois. Non. Ouais, bouts de bois. Ouais, c'est laissé tomber, c'est un dégât. C'est morceau. Oui, oui, c'est morceau. Oui, oui, puis, ouais, là, c'est trop chaud. Ok. Ah, ouais, t'as réussi, mais je me rappelle. Non, mais j'ai loupé une pièce, par contre. Je sais pas si on. Bon, non, ouais, on peut pas grimper. Ouais. On s'en fout. Oui, oui, et puis qu'est-ce que je disais déjà? Bon, bah, c'est pas grave. Ah, oui, c'est vrai, juste après, il y a de l'eau et dessus, il y a juste des tout petits troncs d'arbres à chaque fois, on tombait dans l'eau à chaque fois. C'était trop chaud. Ils espacent. Ils font quoi? Ils font 5 pixels de large sur les. Non! Il est sérieux là? Sérieux quand même, je comprends pas. En vrai, vous pouvez pas être dans la rue, vous faites pas attaquer par des mouettes et des corbeaux, quoi. Enfin, je sais pas. Oh, même là encore, il escalade en gros une espèce de montagne, mais bon, quand même, il se fait pas défoncer par des mouettes. Au mais pire, putain, la chèvre encore, je comprends, tu vois. Du coup, ça marche pas. Parce que bon, une chèvre des montagnes, bon, les chèvres c'est réputé pour traîner en montagne ou des trucs comme ça, tu vois. Ouais, mais même, tu vois une chèvre, elle peut venir te défoncer, quoi, je veux dire. Ouais, ouais, au pire, elle se barre en courant, mais elle va pas venir vous foncer dessus, c'est pas un taureau, quoi. Ah, en fait, c'est là qu'il faut aller, forcément, que j'essaie. J'essaie d'y aller, mais ça marche pas. Oui. Alors on se demande quand même comment les coréophores ils sont arrivés ici. J'avoue. Le mec il trouve du coréophore dans la montagne normal. Non, bah, tu crois que c'est mieux de trouver du coréophore au-dessus de l'eau? Enfin non, je crois qu'il n'y en avait pas en fait. En fait il y avait que des... Ah non, il n'y a pas de coréophore au niveau d'avant. Des super bonbons. Ouais. Oui, je sais pas pourquoi ça me fait penser super bonbons et du coup quand bah, je les appelle comme ça. Ouais, c'est du super bonbon. Les vies c'est des super bonbons, c'est tout. T'as vu que c'est long, ces phases-là c'est long, c'est un peu chiant. De quoi? Ces phases-là elles sont longues, c'est chiant. Et c'est où tu dois grimper sur des trucs? Ah, c'est donc là. Ah oui, j'avoue. Il court comme un taré tout. Ah, ça y est, on a trouvé une chaîne de montagne. Ah, je suis niqué, hein. Bon, bon. Ouais. Ah ouais. Oh putain, mais. Non! Sérieux, je sais pas qui c'est qui les a éduqués, mais. Enfin, ou élevé ou je sais pas. Défoncé le fermier. Enfin, personne sûrement, ça doit être pour ça qu'il. Ouais, ils sont sauvages. Des chèvres. Ouais, mais sauvages. Des chèvres, je crois pas que c'est beige. Enfin, je sais pas. Ouais, alors c'est blanc, je crois, une chèvre. Non, vous en vous en rendez, mais bon. Il y en a plusieurs fois. On a pas les plus reformés. J'ai même plus de coréophore. Ah bon? Non, mais appareil photo. N'empêche, faut être sadique quand même. Genre, le mec, il arrive. Je sais pas, dans la BD de Tintin et même dans les dessins animés, ils savaient pas lancer du chloroforme sur les gens quoi. J'avoue. Non, c'est lui en fait qui se prend du chloroforme. C'est tout lui qui s'est kidnappé. Oui, il y a un épisode, le secret de la licorne. D'ailleurs, il y a un épisode là-dessus, on va vous faire plus tard. Mais ouais, dedans, il se fait capturer par des gens et genre ils arrivent avec un mouchoir et du chloroforme et puis comme ça ils vont mettre dans leur voiture. Donc, ils se réveillent dans une prison, c'est pas pour ça. Enfin, une piste bizarre, une prison, je sais pas. Ah, j'ai juste été voir là s'il y avait quelque chose. Ah oui, on a déjà essayé la dernière fois, mais j'ai pas pensé. Mais rien. Il me fait marrer comment il court, ça. Oui, c'est ce que j'allais dire aussi, justement. J'étais justement en train d'y penser. Bon, donc on vient là. Faut juste pas tomber dans les trous. Ouais. Mais non, mais casse-toi, putain, je croyais qu'il y avait les chèvres, là. Franchement. Mais on n'a pas le. En fait, on les voit pas arriver, puis il y a un certain temps de réaction. Ouais, les enculés, les chiens. Ouais, non. Pas non, c'est une façon de parler, donc. Là, si je descends dans là, non. Non, je peux descendre là. Si, oui, tu peux descendre là, c'est l'autre. Non, non, mais ouais, non, c'est pour savoir ouais, si il y a une technique. Genre, t'es enfoncé dans la pierre, tu vois. Ah oui, il y a une clé à avoir ici, je me rappelle.
Ouais, non, c'est un peu de chaud. De tout à l'heure, j'allais dire. De la dernière fois qu'on l'a fait. Il y avait une clé pour cette porte. Je crois en plus on la trouve à un endroit bizarre. Voilà. Hein. C'est ici que je suis descendu, ok. Ouais, il était plus sorti par là, c'est ça. Ouais. Ouais. Ok, il y a le chien qui nous attend. Voilà. C'est ça, mais essaye de trouver la clé. Bah, c'est bien ce qu'on disait. On a toujours raison. Bah ouais. Surtout Tintin. Quoi. Ouais, toujours Tintin quand même. Mais pas parce qu'il est rouge. Ah oui, il y a un bout de bois, une matraque dans la main, c'est pas ce que c'est. Ouais. En tout cas, le choix, ça le fait. Moi, tout ce que je sais, c'est que les gens d'ici, ils sont censés être gardes du lieu, mais ils se font défoncer vite fait, quoi. Enfin, genre, on leur fout une droite, ça y est, ils sont KO. Puis le pire, c'est quand même qu'on croise des gens, puis les gens, ils veulent nous défoncer, quoi, je veux dire. Après, ils sont Tintin, pas très sociables, quoi. Après, faut savoir que Tintin, c'est un boxeur professionnel, c'est McTyson, quoi. Ouais, c'est vrai. Ouais, mais t'es zone rouge. Ouais, en fait, c'est Tintin qui a appris McTyson à boxer. Voilà, exactement. Il y a même pas de bruit. Ouais, il y a pas de bruit, ouais, j'ai pas pu. On est presque arrivé à la fin parce que là on a presque. Alors, moi quand même, je comprends pas que dans des. Alors là, franchement, Tintin il est fort. Ah oui, là il met la même les pieds sur rien. Eh, Tintin, franchement, c'est le dieu de l'escalade. Le mec, il plante ses doigts dans la pierre. Mais franchement, je suis désolé, attends. non, mais attends, même dans une montagne, t'as pas ça quand même à l'intérieur. Je peux pas rentrer dans une montagne à moins qu'il y ait une grotte, mais je sais pas. Je sais pas, ils ont aménagé des grottes là. Je sais pas, mais attends, t'as pas des branches qui poussent dans les grottes comme ça. Enfin, je sais pas. Oui, si, mais je veux dire. Ouais, c'est censé être une grotte entre les nues quand même. C'est quand même un lieu avec des. Enfin, avec des pièces et tout. Mais... Ouais. Je sais pas, c'est bizarre. Ok, on peut pas monter. Ouais, y'a un gros bug. Ouais. En plus, il sonne vachement haut quand même. Et là encore, il plante ses mains dans la pierre. Ah, vous pouvez bien regarder que. Ah oui, alors c'est maintenant qu'on doit utiliser notre super artefact de. C'est fact. Et c'est un pouvoir légendaire de faire ce qu'il faut. Ah ouais, ça c'est clair. En plus, on peut lui connaître la platine. Oh l'enfoiré. Genre le mec, il s'est retourné. En fait, je l'ai aveuglé. Il a un coup de matraque dans le. Je l'ai aveuglé, comme ça il voit rien et après je le tape. Culé. En fait, c'est marrant parce que. C'est marrant parce que. Tintin il a sauté, il s'est pris un coup de matraque dans le pied et il a sonné. Enfin, ouais. Tintin, c'est bizarre. Tintin il croise des flics et il les prend en photo. C'est pour la gazette. Comme mais gazette l'appareil photo, quoi. Mais c'est quoi ça? La gazette du sorcier, comme Harry Potter. Là, on est en train de faire des mélanges, là, truc. Quand on arrive avec Tintin. Non, mais vous ne cherchez pas avec nous. On est déjà arrivé? Allô, genre... police, ici Tintin, reporter. J'ai capturé une bande de faux monnayeurs sur l'île noire au large de Tiltok. Pouvez-vous m'envoyer du renfort? Non. Il se fout pas un peu de notre gueule là, il tape les flics et après il les appelle. Et là il a défoncé tout le monde là et il a pas besoin de renfort, c'est bon, t'atteins tout seul, ça suffit. Mais c'est un fou lui. Il manque 13 pièces. Bon, ok. On s'arrête là ou quoi? Ouais, je pense. Ouais. Ça doit faire à peu près 20-25 minutes. Non, on fait juste le boss et après c'est bon. Ouais. Il y a le boss et le bonus. Ok, bon, il y a le boss. Ranko. Grosse coupe. J'ai la flemme de. Ah, oui. Ah ok, Tintin rentre dans la télé, oui, bien sûr. Ah, c'est vrai, son rêve en fait au chien, je crois. À qui, au chien? Ouais, en fait, on voit le chien qui rêve, il s'endort. Ouais. Bah, on va le voir, mais on a pas fait attention. Ah, j'adore la musique, elle me fait trop triper. Ouais, j'avoue, les musiques de bas, c'est son rêve. Le niveau d'avant, quand on commence à rentrer dans les bâtiments, j'avais peur quand j'étais petit parce qu'il y avait une musique sinistre derrière, puis je savais que c'était gorille, j'avais peur. Du coup, je baissais le son, je m'étais en muet pour un. Oui, enfin, c'est vrai que c'est pas de musique appropriée pour un boss quand même. En fait, ouais, faut attendre qu'il jette ses pierres oui, et à force ça laisse. Trou, ouais, ça fait un trou. Le chien. D'accord. Et le chien il lui aboie dessus, du coup le boss perd de la vie. Même on se prenait tout le temps les pierres à la main. Ouais, mais c'est chaud quand même, un boss. Non, moi j'y arrivais bien, tu vois. Parce que t'as les traces noires, enfin t'as les ombres des pierres qui tombent. Non, mais là il y avait pas d'ombre. Vas-y, c'est bon, là je peux niquer. Non. Vas-y. On voit le voilà. Bah, le chien il aboie et puis le gorille du coup perd un tiers de sa vie, c'est logique. En fait on se prend rien du tout sur les petites pierres. Regarde, j'ai rien perdu là, j'en ai pris deux pourtant. Bah vas-y, au pire, quand on dans la gueule, ça fera rien. Non, les grosses ça fait mal je crois, mais les petites non. J'ai mal quand même, le gorille, il balance des pierres dessus, un gorille, c'est. Enfin, vu qu'on met les stocks, il devrait pas m'en faire marcher quand même, je comprends pas. Ouais. J'avoue, mais le gorille il a juste à se bouger, il vient nous défoncer la gueule. Ouais, c'est vraiment plus. Il nous jette des pierres, c'est enfin, chiant. Enfin bon, faut de savoir quand même que Tintin... C'est Tintin, quoi. Ouais, c'est Tintin, il va le niquer. Alors ça m'arrivait tout le temps, mais bon, tant qu'il y a du gagné, il a sa vie qui descend. Oh, on s'en fout. Je pense qu'on va faire le chien quand même après, parce que là, c'est vite fait. Ouais, je vois.
Enfin ouais, le nouveau bonus. En fait, faut récupérer des os tout simplement. Oui, faut creuser avec le chien, mais il y a des niveaux qui sont bien galères comme ça. Ouais, c'est clair. Vas-y là. Putain, il vient de faire quoi là? J'ai pas vu tuer le truc par terre à ce chien. Non, en fait, il s'est pris le pied dans la pierre. Hydrate. Ouais. C'est vrai que la différence de taille est tellement énorme que Gorille a peur du chien. Et puis on se demande comment il fait aussi pour rentrer dedans. J'avoue. Ça, c'est horrible ça. Continuer, voilà. Il doit être vachement serré là-dedans quand même. Je comprends bien qu'il attaque ses visiteurs, mais bon. Surtout pour se faire défoncer par un petit chien. Mais je me rappelle plus exactement pourquoi il y a un gorille ici. Je crois que c'est pour éloigner les visiteurs ici. Je sais pas. Ouais, on va pas faire ça. Ça donnera quand même le rouge, ça sera pour la prochaine fois. Là, c'est. Un délire. Un délire avec un autre petit chien en vrai, par contre, cette fois, on s'en fout. Ouais, donc voilà, niveau bonus. Avec le chien. En fait, ouais, on a du temps, il faut creuser et récupérer les os. On dirait qu'il jette de la merde derrière. Ouais, ça. Enfin, ouais, c'est chier. Bon, le premier est simple, je crois. Ouais, oui, le premier est super simple. Il y a 40, de souvenir, il y en a que 40. Mais t'as oublié tout ce qu'il y a d'avoir, les os? Ouais. Sinon, ça te fait quoi déjà? Bah, ça fait quoi? Ça fait rien, mais c'est juste du niveau bonus, quoi. Ouais. Mais après, il faut aboyer. C'est con, on fait. Ah, oui, triomphe. Genre le lapin il arrive, il voit un crêpe, c'est bah le lapin il bouge pas. Ouais, c'est vrai que c'est vrai. J'avoue, t'as vraiment pas besoin d'aboyer quoi. Oh, ça c'est trop chiant ça. Non, tu peux pas ressortir. Non, mais je sais, mais il y a des os là. Non. Ouais, j'aurais dû le prendre d'avant d'ailleurs, j'ai mal géré. Ouais, il y a une musique un peu bizarre aussi. Ouais. 31, bon, on a presque fini. Ouais, puis ça va, on va en faire assez. Ouais. On a juste récupéré les os là de là où j'ai creusé. En essayant de pas tomber. Non, c'est pas là. Ouais, c'est là. Bah ouais, celui. Bah celui où j'étais tombé. Celui que j'ai creusé. Ah, okay. Voilà, c'est bon. Et dernier. Voilà. Allez, Non, ça va, c'était simple, mais les derniers sont très durs. Enfin, très. Ils sont durs quoi. Surtout le dernier là, tu te rappelles? Celui où faut courir là. Ah oui, il y a un macaque, il y a un babouin de merde qui nous balance des réseaux. Et des fois, il nous balance des noix de coco. Ah non, c'est pas ça, je parle pas de ça, je parle de. Merde. Donc, voilà. Le tout dernier niveau là avec le chien où il court et il se fait courser par un autre chien. Ah oui, oui. C'est trop dur ça. Ah oui, c'est vrai, on a ça, jamais réussi d'ailleurs. Ah, oui. Bon, on va se laisser là, je pense. Ouais, on arrive à 100% à ce niveau là, c'est satisfaisant. Ouais. Donc écoutez, les amis, on va se laisser là. Et puis bah ouais, j'espère que vous avez apprécié. Mais j'ai pris plaisir à jouer, comme d'habitude, hein, parce que c'est Tintin quoi. Voilà. C'est Tintin, voilà. C'est Tintin et il y a rien à dire. C'est Tintin. Nouvelle religion pour Tintin. Le tintanisme. Oui, exactement, si vous croisez ce tintin dans la rue, tout le respect pour lui. Voilà. Donc voilà, bah écoutez les amis, j'espère que ça vous a plu et puis bah je vous dis à la prochaine pour le prochain Let's Play. Allez, salut. Salut.